Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Vous avez pris la foudre? C'est rien, je vous dis, vous occupez pas de ça. Ah ben, je compte pas m'en occuper, je vous rassure. Par contre, vous pouvez partir. Je me prépare pour un rôle. Un rôle de quoi, sans indiscrétion? Cassandre. Cassandre la folle. Nous interprétons une scène des Troyennes demain au Cercle des Femmes d'État. Et j'ai fait quelques essais de costumes et de coiffures. Oh non, mais c'est probant. Y a pas bouffer les tartes aux figues et jouer les trucs pourris? Vous faites quoi de capital à votre cercle? Les Troyennes? Vous appelez ça des trucs pourris? Ah ben, ça peut vite en devenir, en tout cas, oui. Mais vous n'y connaissez rien. Occupez-vous donc de votre Graal et laissez le théâtre à ceux que ça concerne. Je vous rappelle quand même qu'au-delà de la Reine d'Irlande et de cette grosse pouffe de Duchesse de Calédonie, le théâtre, ça concerne aussi le public. De quoi je me mêle à la fin? Je croyais que vous aimiez pas le théâtre, de toute façon. Évidemment que j'aime pas le théâtre, regardez ce qu'on y trouve. Quoi? Qu'est-ce que vous soupirez? J'ai encore rien dit. Non, déjà sans rien dire, c'est chiant. Ah, Cassandre est une folle, j'interprète la folie, je vois pas ce qu'il y a de chiant. Mais Cassandre, c'est pas une folle, déjà. C'est une pitié. Quoi? C'est une pitié. Un médium, quoi. Elle voit l'avenir. Les Troyennes de Ripide, hein, on parle bien des mêmes. Oui, mais bon, un médium, on peut bien considérer qu'elle est un peu... Non? Oui, enfin, encore une fois, je vois pas le rapport, mais bon, alors mettons, d'accord, ok, elle est folle. Et alors? Et alors quoi? Et alors, c'est, voilà, c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est ça tout le crédit que vous donnez aux fous, ils sont dépeignés. Vous en connaissez les fous? Je sais pas, des vrais fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, des vrais fous? Enfin, les fous, ils sont fous par rapport à une norme. Mais pour eux-mêmes, c'est les autres qui sont fous. Au théâtre, ça n'existe pas les fous. Mais qu'est-ce que je joue moi alors? Cassandre, son problème, au-delà d'être médium, c'est qu'Apollon lui a craché dans la bouche pour lui ôter tout pouvoir de persuader. Mettez-vous à sa place. Elle sait des trucs, mais elle peut en persuader personne. D'accord, mais ça ne me dit pas ce que je joue, hein. Bon, on va essayer un truc. Je vous donne 10 secondes pour me persuader que vous ne m'avez pas épousé par intérêt. Comment? Faites ce que je vous dis. Attention, vous avez droit qu'à une seule phrase. Top! Voilà, ça suffit. Mais j'ai même pas répondu. Vous avez vu l'œil que vous aviez pendant que vous cherchiez? Cette sensation que quoi que vous allez dire, vous serez pas cru? Moi, je pense que vous devriez chercher plutôt par là. Et allez vous repeigner. Tout à l'heure, j'étais toute contente de jouer demain et maintenant, je suis à deux doigts d'annuler. Ça vous paraît exagéré, ce que je vous dis? Ben, disons que vous devez sûrement avoir raison, mais... À ce compte-là, à chaque fois qu'on monte une pièce, il faudrait travailler pendant des mois, alors. Oui, il y en a qui le font. Oui, mais moi, c'est juste comme ça. Écoutez, non, mais faites-le, votre truc. Moi, ce que j'en dis, hein. À la limite, je garde la gestuelle et j'enlève la coiffure. La gestuelle, quelle gestuelle? Ben, la gestuelle de la folle. Le truc avec les mains, là? Oh non, mais vous déconnez. Quoi? Ça non plus, ça va pas. Mais ça va pas, vieille, c'est de la merde, enfin. Depuis quand les poux, ils avancent en crabe? Alors, à ce compte-là, ceux qui sont sains d'esprit, vous les jouez comment? Tourède? Vous êtes vraiment un emmerdeur! Allez, vous peignez! Je ne vous ai absolument pas épousé par intérêt. Mais moi, je crois pas. Mais je vous assure. Ah, voilà. Voilà quoi? Voilà, ça, c'est un début de Cassandre possible. Ah, il faut que je chouille, c'est ça?